Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce JT du Geek. Bah oui, en mode... Alors aujourd'hui, je pensais pas en faire trop et en fait, on a lu plein de news. On va commencer par une news de Lego qui nous a proposé. En fait, il nous dit, ah tiens, il y a un nouveau téléphone qui va sortir. Voilà le teaser. Ah bon, je vous lance. Et bien, voilà. Voilà, il nous annonce un nouveau téléphone, machin, alors là, et vraiment, quand on regarde un peu la bande-annonce, c'est la bombasse. En fait, ils ont enlevé le Legend of Hashtag, ils l'ont mis sous l'écran, un petit peu comme l'a fait Jibo, c'est plutôt pas mal. Alors, il est annoncé le S10, avec ça, bon bah, on avait eu un petit peu rien du tout. Qu'est-ce qu'on a eu de bien ? On a eu l'affiche qui nous annonce un nouveau S10, machin, patin, couffin. Bon, bah après, ça, c'est pas super intéressant. Comme la vidéo, d'ailleurs. Attends, je sais pas si je peux l'enlever. Alors, attends, il est où le YouTube ici? L'accro. Voilà. Il nous annonce un Lego S10 AI affortable, donc avec full écran, avec ton empreinte digitale sous l'écran, là c'est bien vu. Avec ça, il nous annonce pas bien grand chose en fait. Voilà, donc les possibilités, alors c'est des fuites que nous envoie le fabricant, vous savez comment ça marche, il n'y a pas vraiment de fuite, c'est plutôt le fabricant qui envoie les trucs et c'est pas parce que c'est une petite marque qu'ils le font, hein, c'est si vous dire, voilà, au cas où. L'écran 6,21 pouces AMOLED, putain la classe, en 19/9, donc on est vraiment sur un truc qui est tout en longueur, ça c'est quand même plutôt classe, avec le notch display, donc avec la petite découpe en haut, ça leur permettra bien évidemment de mettre la caméra en haut, on a l'habitude. Snapdragon, alors ils savent pas trop encore si ce sera un 710, un 680, un Helio P60 ou P70, on comprendra, vous allez voir juste après grâce au tweet qui a été trouvé sur internet aussi. La RAM 6 ou 8 Go, pareil on sait pas trop, machin. Le caméra arrière 21 ou plus 13 ou 16, on est dans le fantasme là quand même. Hein. Le prix 300-500€, je trouve que c'est quand même un peu cher pour du Lego, mais apparemment ça pourrait valoir le coup. Le poste qui sera un petit peu à la hauteur de tout ça. Lego, va redessiner, voilà. Donc Lego va redessiner un nouveau téléphone, launch, is not design, caméra, donc il y aura une caméra. Il aura un P20, tout la color, screen, machin, plein écran, un SD ou un Helio, machin. Il sera lancé en septembre. Alors, il est là un peu le dossier, c'est que c'est marqué en même temps et c'est pas marqué. C'est que vous allez le voir un petit peu en haut, c'est à Indiegogo. Et c'est un petit peu ce que les fabricants vont faire un peu pour financer leur dossier. Ça veut dire, ils vont dire, ah, on va faire un gros machin comme ça, on va le lancer sur Indiegogo, on aura un super téléphone, machin et tout, vous allez pouvoir le financer, ils vont pouvoir faire rentrer du cash, le mettre en production et on aura un téléphone qui, bon, sur le papier, c'est une bombasse, on est bien d'accord. Après, bon, est-ce que la marque arrivera à tenir un truc comme ça? Parce que là, on déboîte quand même pas mal de téléphones au niveau des specs, mais après, encore une fois, le cahier des charges ne veut pas dire après qu'on aura un smartphone de fou. Donc, il faudra attendre un petit peu, mais c'est un petit peu le Lego S10 qu'on aura à la rentrée. L'intérêt, c'est avec vous de savoir qu'est-ce que vous pensez de ce téléphone-là. Est-ce que ça vous paraît vraiment bien? Quel prix vous seriez prêt à l'acheter? Eux, ils parlent de 300 à 500. Est-ce que vous trouvez que c'est trop cher? Que c'est un prix qui serait plutôt honorable? Qu'il faut attendre de voir, hein? On ne paye pas pour voir, on voit et après, on voit si on paye. Mais voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Je remercie également les 49 tipeurs qui ont rejoint l'aventure GLG Vidéo, la seule chaîne YouTube indépendante qui dépend que de vous et non pas des marques. Et j'ai encore un autre truc qu'on a flirté ce matin et qu'on a réussi à trouver. Une news d'un produit plutôt pas mal et un truc qui doit arriver cet après-midi. Donc là, je ferai une vidéo demain. Donc moi, si je serais toi, je m'abonnerais en cliquant en bas à droite sur ma gueule. T'oublie pas de mettre un petit like, un petit commentaire. T'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications. Ah, il a parlé super vite, mais ça sera tout pour aujourd'hui pour parler un petit peu de ce Lego S10. On devrait pas être loin d'être les premiers à parler de ce téléphone, ce qui fait plutôt plaisir. Allez, paix, prospérité, bonne journée. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Je vais enquiller la vidéo tout de suite parce que y a pas mal de news là aujourd'hui. C'est bien.